Je suis la sœur Kamena Akua Monique. J'ai pour faisait des disciples le pasteur Adou René Mbato. Frère, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ m'a guéri de l'insomnie qui avait duré pendant 14 mois. Jésus-Christ m'avait guéri d'un envoûtement. Qui était cause d'une maladie très grave, caractérisée par une insomnie chronique. Acclamez pour Jésus-Christ. J'avais été envoûtée vraiment. Donc j'étais au dépôt avec mes enfants et un jour j'avais une camarade qui est venue me rendre visite. Et quand elle venait, elle avait un pain, le pain de la boulangerie. Et elle m'avait donné. Elle était assise quand j'ai commencé à manger le pain. Quand j'avais coupé le pain, j'ai fait un petit café baoulé. J'ai mis dans ma bouche. Deuxième fois, j'attends boire. Je regarde. Je vois une pointe noire. Comme chez nous, les amis, la pointe là, ça sert à enlever le truc qu'on appelle l'acbi là. Donc, j'ai montré même à ma camarade, elle dit, regarde, j'ai vu ça là dans le pain. Et elle et moi, on a dit, peut-être que c'est à la boulangerie, quand les gens étaient en train de fabriquer celle-là, et ils ont, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, j'ai jeté la pointe. Le lendemain, je suis sorti, je reviens à la maison, je regarde sur ma table à manger. La même pointe était sur la table. J'ai pris, je suis allé jeter. Le lendemain encore, je sors, je reviens sur mon lit. Mon drame était bien dressé. Je vois la même pointe. Bon, comme c'était dans les temps d'ignorant, je n'ai pas considéré que c'était un envoûtement. Et c'est à partir de ce jour, le soir, je m'allais me coucher, la nuit, je ne dors pas. Le lendemain, même chose jusqu'à... Cela a duré pendant 14 mois. Je me suis promené partout dans les hôpitaux avec une mauvaise odeur sur moi. Frère, même avant quand je rends le témoignage, j'avais oublié de mentionner ça. Et aujourd'hui, hier, le Seigneur m'avait rappelé ça, puisque avant-hier même, le Seigneur m'a délivré ici. Je sentais très mauvais. Mes enfants m'ont décidé de m'amener à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés dans la salle, tous les infirmiers étaient sortis. Ils ont dit qu'ils sont en train de traiter un corps. J'ai regardé mon fils, je savais que c'était sur moi. Mais le docteur a fait tous les examens, il n'a rien trouvé comme maladie. Et c'est comme ça que mon grand frère est venu me chercher. Et nous sommes allés en bateau, chez moi au village. Il faut dire que dans ma famille, ma grand-mère, arrière-grand-mère maternelle adorait un fétiche qu'on appelle le fétiche envilé. Et on a une nièce qui danse ce fétiche-là même actuellement. Donc, ils m'ont amené chez ma nièce là. Elle a pris 70 000 francs. Rien. Ils sont allés voir. En tout cas, on s'est promené partout. Rien. Et j'ai perdu du poids. J'avais perdu 34 kilos sur mon poids. Et tout le village disait que j'avais le sida. Donc, un jour même, ils avaient annoncé mon décès. Les gens m'ont pleuré. J'avais une nièce même qui a pleuré jusqu'à... Elle est venue s'asseoir sur la natte où j'étais couché. Puisque j'avais maigri jusqu'à... Quand je me couche comme ça, là, on ne sait pas que quelqu'un est couché là. Et quand elle a regardé, elle voit que c'est moi, je ne suis pas morte. Elle a dit, hey, tantie, si tu mourais vraiment. Donc, juste après, même quand je la vois, elle me moquait d'elle. Elle dit, ah, le jour où je vais mourir, là, tu vas pleurer d'elle. Et c'est comme ça que les gens venaient parce qu'on leur a dit que j'avais le sida. D'autres disaient qu'elle était devenue folle. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai décidé de quitter la maison. Puisqu'on avait une cousine qui avait construit une villa à 3 km de la maison. Et c'est comme ça que je suis allée chez une cousine. Et là-bas, les gens ne savaient pas que j'étais là-bas. Et j'étais là avec une cousine. Et ma cousine, Dieu merci, elle était venue de l'Italie. Et quand elle venait, elle était venue avec un pasteur. En tout cas, un pasteur même. Quand le pasteur est arrivé, ma cousine lui a dit que, ah, voilà, c'est ma cousine, elle est très malade, il faut la voir. Le pasteur dit, ok, on va voir ça. Et à 2h du matin, on me réveille. Le pasteur dit, va prier pour moi. Et il allait prendre une. Il m'a fait coucher. Il met ça sur moi et puis il dit, reçois.
Le soir bien avant ça, il avait dit qu'il allait prendre 15 000 francs avec trois morceaux de pain hollandais qui coûtaient 45 000 francs. Et ma cousine a dit, il n'y a pas de problème, ce qui est sûr, il faut prier pour elle. Et la prière, là, c'est reçoit. Et il met ça ici, ça tombe là, et puis il dit reçoit, reçoit, reçoit. Et c'est comme ça, il disait qu'il a prié pour moi. Et j'étais avec ma cousine, malheureuse, je maigrissais seulement. Je ne dormais pas la nuit, matin, midi, le soir. Pendant que tout le monde dormait, moi, je suis assis, je ne dors pas. Et un matin, comme Dieu est bon, frère, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Acclamons pour lui. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. C'était un dimanche matin. Et mon fils m'avait dit qu'il avait faim. Donc j'ai décidé comme ça d'aller acheter de la tchéké. Et quand je partais, j'attendais. Quatre personnes étaient en train de chanter. Et j'ai dit, aïe, c'est quoi ça? Et celle qui vend, c'est une église, c'est un pasteur, il est venu d'Abidjan, qu'on les appelle les Sois bénis. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia! Et j'ai dit comme ça que moi, vraiment, j'ai dit comme ça là, vraiment, moi, je ne vais jamais aller là-bas. Et comme Dieu il est encore bon, quand je suis arrivé à la maison, en allant la même d'ailleurs, j'ai vu nos camarades d'enfance. C'est chez elle même que le pasteur était. Et puis j'ai dit, ma sœur, il y a quoi chez toi? Et puis ça chante. Elle dit, c'est mon mari qui était parti à la convention avec le pasteur de cette église. Mais vraiment, faut voir si tu peux aller. Comme tu es malade là, il dit, bon, faut dire à ton pasteur de venir me voir. Et c'est comme ça que le pasteur Dour est né. Le pasteur Zélé. Un pasteur sans frontières. Jésus-Christ. Il m'a trouvé à la maison. Il m'a salué. Il dit, tu connais Jésus-Christ? Il dit, j'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. Il dit, tu vas le connaître aujourd'hui et il va te guérir. Il dit, d'accord, je fais quoi? Lui-même, il a acheté un cahier. Il dit, tu vas te repentir sincèrement de tous tes péchés. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait. Et après cela, il m'a baptisé. En ce moment, on était sept. Et après le baptême, un 30 décembre, en 2004, ils ont fait mon brisement des liens. Et le 1er janvier, j'ai dit bien le 1er janvier à 11h, j'étais assis dans une chaise, en train de causer avec ma soeur en Christ, la soeur Élise. En ce moment, je ne connaissais pas bien le ministère. Comme elle était ma camarade d'enfance, on avait fréquenté ensemble. Donc, on était en train de causer. Et puis, elle me réveille, elle dit, « Hey, à quoi? Anaï, aide à faire, tu dors. » Je regarde quelque chose que j'ai oublié, ça fait 14 mois, un an, deux mois. Jésus-Christ. C'est là que j'ai su que, aïe, d'accord, donc je viens. Comme notre village n'était pas loin de, de chez elle, vous allez me coucher, frère. De 11h jusqu'à 19h. Si le frère Francis est là, il peut témoigner parce que c'est lui qui m'a réveillé. Quand il partait, me rend vite, il chantait. Et c'est sa chanson là qui m'a réveillé, c'était 19h. Et c'est comme ça, comme le diable toujours il se fatigue pas, les petites maladies, un chose, ulcère, tension, ça me fatiguait. Ma fille a souffert, elle achetait des médicaments toujours. Avec les Américains, 20 000. Toujours comprimé. Aujourd'hui, la femme qui vend comprimé, elle a eu honte parce qu'elle ne va plus jamais me voir là-bas. Avant-hier, ici, quand le leader a dit qu'on a qu'à chasser, moi je suis Brou, 10e enfant de la famille. C'est là que je me suis rappelé que ma maman adorait l'eau. Elle mettait l'eau dans une petite soupière blanche avec un œuf. Et puis, les vendredis, on appelle ça aller à blé, les vendredis, façon là, je vais laver mon visage. Bon, j'avais préparé, j'ai dit à ma fille que cette année-là, la croisade-là, le renversement des protéines, je vais prendre ça à cœur. Frère, c'est, je dors ici, je ne vais pas à la maison. Hein. J'avais prié. Et j'ai senti une mauvaise odeur, comme si l'odeur que je sentais sur moi-là, ma fille est là, elle peut témoigner. Et c'est comme ça que l'esprit de folie est sorti. J'ai crié, puis j'étais tombé. Mais quand il était tombé, je l'ai vu. Vraiment, je ne sais pas si c'est un garçon, hein, il était mort.
et les frères m'ont soulevé jusqu'à... Mais ce qui est chose, est que quand les frères partaient avec moi, j'entendais un bruit comme j'étais dans une ambulance. Ça faisait vent, c'est comme emmener à l'hôpital. Et c'est comme si c'était devant le leader. Je ne sais pas si les frères qui m'ont, ils avaient remarqué ça, parce que je suis revenu à moi, je cherchais le leader. J'ai fait ça. Et puis c'est maintenant j'ai su que ce n'était pas devant lui. Frère, ce jour-là, le Seigneur venait encore de me délivrer de toutes sortes de maladies. Là où je suis là, je me porte très bien. Acclamons pour Jésus-Christ. Et après ça, là, je ne pouvais pas manger, j'avais sommeil. Le sommeil est revenu normalement. J'ai dit à ma voisine même que je ne peux pas manger, j'ai sommeil, pas me laver, me suis débrouillé même. J'ai dormi. Même là où je suis arrêté, là, j'ai sommeil. Quand je suis arrivé là même, le sommeil. Et encore, ce que j'ai oublié, c'est que mon grand frère, il est conseiller pédagogique. Il a eu même insomnie, il est devenu fou. Alors là, on dit, il est assis à Demokura, au bord de la rue. Ma grand-sœur, celle que je suis, elle est devenue folle, elle a eu insomnie. Le frère Kassima, il ne sait pas s'il est dans la salle. Le frère Kassima a commencé à travailler un peu avec elle. Elle avait refusé, elle dit qu'elle ne peut pas faire baptême, elle ne peut pas se séparer de la féticheuse là. Et aujourd'hui, elle est folle, elle est dans un village. Mais moi, ça a commencé sur moi. Hein. Mais moi, Jésus-Christ m'a aimé. Dieu m'a aimé. Il m'a délivré de l'esprit de folie. Sinon, vous allez voir que moi, comme ça, j'allais m'arrêter, on allait m'attacher. La folle, parce que l'esprit même est sorti. Sans payer 5 francs. Qu'est-ce que j'ai donné à Jésus-Christ? Jésus-Christ m'a arraché dans la main de l'ennemi. Redis ce que tu viens de dire là. Sans payer 5 francs. Je n'ai pas payé 5 francs. Jésus-Christ m'a guéri cadeau. Il m'a rien pris. Acclamons pour Jésus-Christ. Reconnaissant le Seigneur Jésus ce soir là pour dire que Jésus il est bon, il pardonne, il délivre, il libère, et il est la solution à tout problème. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Il y avait les pointes dans le pain. Les autres sont déjà fous. Elle est là, guérie. C'est ça qu'on appelle les miracles. Tu viens d'écouter le témoignage de la sœur Monique. Elle n'a rien donné à Jésus. Elle avait fui Abidjan. Elle a oublié de nous dire qu'elle avait déjà des taches sur le corps. Elle-même était convaincue qu'elle avait le VIH. Elle est partie se cacher dans un petit village. Elle avait perdu 34 kilogrammes. Elle a oublié de nous dire qu'un jour, le père de ses enfants l'a rencontré. Il lui a demandé, « Mais qui t'a guéri ?» Elle lui a dit, « J'ai rencontré un pasteur qui m'a donné Jésus et Jésus m'a guéri. » Et cette conclusion-là, je l'ai aimée. J'ai rencontré un pasteur qui m'a donné Jésus et Jésus m'a guéri. Alléluia. Jésus guérit. Dis Jésus, tu peux me guérir. Dis Jésus, tu veux me guérir. Et c'est là le secret de la guérison divine. Chaque frère doit savoir que Jésus veut guérir. Ce n'est pas qu'il peut seulement guérir, il veut guérir. Alléluia.
dans le plan du salut, la guérison est inclue dans le plan du salut. Si tu crois au pardon des péchés, il faut croire à la guérison des maladies. C'est une erreur de croire beaucoup au pardon des péchés et de douter quant à ce qui concerne la guérison des maladies. Il est dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est dit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Pas nous serons guéris. Ce sont des acquis. Dans la bataille que le Seigneur a menée pour la rédemption de l'homme, il a arraché la guérison divine. Il a arraché la rédemption. Il a arraché la rémission. Il est sorti avec toutes ses richesses. Et elles sont à la disposition de tous ceux qui croient. Alléluia. Quand il disait tout est accompli, c'est une grande bataille que le Seigneur avait menée. L'apôtre Pierre nous révèle qu'il est même entré dans les entrailles de la terre. Il est ressorti. Alléluia. Même les esprits qui sont là-bas ont entendu l'évangile. Si bien que quand tu dis à un esprit que Jésus a dit, aucun esprit ne te dira qu'il ne connaît pas Jésus. Tu entres dans la terre là, tu demandes là-bas, si tu dis même Jésus déjà, ça va commencer à trembler. Tu sors, tu vas dans les eaux, dans la mer, tu dis Jésus, il est connu là-bas. Tu restes dans les airs, tu dis Jésus, il est connu. Alléluia. Tu dis au démon Jésus, le démon sait qui est Jésus. Tu dis à la maladie Jésus, la maladie sait qui est Jésus. Les maladies là ont les oreilles. Les cellules du corps ont des oreilles. Les arbres, les oiseaux ont des oreilles. Si tu dis au nom de Jésus, chantez, ils vont chanter. Alléluia. Quand Dieu dit aux prophètes, prophétise que dit aux oiseaux d'aller manger la chair, ils entendent. Ils s'en vont manger la chair de ceux qui ont été punis par la mortalité de l'épée. Dis, Jésus veut me guérir. Dis, la sœur Monique est une sœur de la même nature que moi, la sœur Monique. Frère, depuis que tu as déjà acheté le pain, après, quand tu coupes, il y a les pointes dedans. Ça, c'était bien préparé. Ceux qui avaient fait ça savaient que son sort est réglé. Alléluia. Mais elle chante les cantiques dans les églises. Les petits paludismes qu'elle mentionne là, ça, ce n'est pas cette maladie-là. Ça, c'est des petits palus ordinaires. Et qu'elle ne confonde pas. Jésus veut te guérir. Dis amen. Ne doute pas. Ne doute pas. Ce n'est pas un mérite. Si tu penses que c'est un mérite, tu as perdu. C'est la grâce. C'est la compassion. C'est la miséricorde. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre l'argent des gens. Parce que Dieu, ce sont des choses que Dieu donne gratuitement. Le Seigneur veut te guérir.
Il te demande une seule chose, c'est de croire. Tu ne mérites pas. C'est la compassion, c'est la grâce, c'est la miséricorde. Commence à lui parler. Oh Dieu. Si tu crois que Jésus pardonne, il faut croire qu'il guérit. Si tu crois qu'il ressuscite les morts, il faut croire qu'il te guérit. Écoutez. Le Saint-Esprit veut qu'on proclame, que tu proclames que Jésus me guérit. C'est ce que je reçois. Le psalmiste disait, mon âme, bénis l'Éternel, c'est lui qui te guérit. Ne crois pas au Jésus qui guérit l'humanité. Ce soir-là, crois au Seigneur Jésus qui te guérit, qui te guérit. Parce qu'il est facile de croire qu'il guérit l'humanité. Qu'il guérit les autres. Mais il faut croire qu'il te guérit. Il te guérit. Et cette maladie va partir. Quelle que soit la personne ou le phénomène qu'il a amené dans ta vie, elle doit partir. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Oh, Rika Marama Sebe Kerida. Koro Dabakashara. Dis mon âme. Jésus te guérit. Mon corps, Jésus te guérit. Mon esprit, Jésus te guérit. Certaines maladies sont des envoûtements dans l'esprit et les conséquences sont sur le corps. Donc proclame mon corps, Jésus te guérit. Mon âme, Jésus te guérit. Mon esprit, Jésus te guérit. Karaba la kasaba la kasha karaba. Karaba kasaba kasha kaba. Shiriba kapa kasha kaba. Jésus te guérit. Dis amen. Continue à proclamer. Continue à proclamer. Kalaba karaba karaba karaba. Kurba karaba karaba shagaba shagaba karaba shagaba. Koro lo kosebe re kasebe re kasebe. Dis Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as pardonné. Tu m'as guéri. Karabakashaka bakashaka bakashaka baka. Uro bakashaka bakashaka bakara kashaka. Karabakashaka bakara. Uro bakara kashaka. Uro bakara kashaka baka. Karabakara kashaka baka. Uro bakashaka 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 baka. Karabakara kashaka baka. Dis au nom de Jésus que les séropositifs deviennent les séronégatifs. Deviennent les séronégatifs, 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 séronégatifs. Ora baka jor baka goba jer baka goba jer baka jer baka baka jer baka goba jer baka baka jer baka jer baka baka jor baka jer baka jer baka. Dis au nom de Jésus que les séropositives deviennent des séronégatives.
Au nom de Jésus, continuons à intercéder. Au nom de Jésus, que tous ceux qui souffrent du cancer soient guéris. Ils soient guéris. Ils soient guéris. Ils soient guéris. Au nom de Jésus, cancer. Jésus t'a vaincu à la croix. Quand il a dit tout est accompli, tu étais anéanti. Va-t'en, libère le corps. Dieu, au nom de Jésus, nous écrasons le cancer. Nous écrasons le cancer. Nous libérons les corps. Nous proclamons la victoire de Jésus qui a dit à la croix, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de tous ceux qui souffrent des hépatites. Hépatite. Je te chasse. Hépatite. Hépatite. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Que tu sois A, B ou C. Toutes catégories, toutes les hépatites, toutes. Écrasé, jugé anéanti, jugé brisé. Diabète et tous les démons qui sont derrière toi. Va-t'en, tu es jugé. Anéanti depuis la croix de Golgotha. Hémorroïde. Tu es jugé, brisé, toi et tous les démons qui sont derrière toi. Va-t'en, et que tous les malades guérissent au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, insuffisance rénale. Tu es jugé, toi et tous les démons qui sont derrière toi. Va-t'en, libère les corps. Dis sinusite, tu es jugé, brisé, anéanti. Nous chassons tes démons. Va-t'en. Dis au nom de Jésus, esprit de folie, va-t'en au nom de Jésus Christ. Dis au nom de Jésus, et toi, dépression.
Nous te chassons. Libère. Libère. Et va-t'en. Dis trépanositose. Trépanositose. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Dis prostate. Nous te chassons. Va-t'en. Libère les corps. Nous chassons tes démons et nous proclamons la guérison des malades. Guérison des malades, guérison des malades, guérison des malades. Bandara masebiri kabana sabana kuria bakasaba kasee yoto robo kese kebere kebene semi kuria kuri kabare kabaka semi kiri dalda bakasa kuria bakala kasanga bakara kabesa gera kuria bakala masende kiri dalda basaba karia dan kuria bakala kasaka rabaka shiru bakala kuria bakashar gala gaba. Garde le calme devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Satan, nous brisons ta résistance. Je brise ta résistance. Va-t'en. Va-t'en vite. Brisons ton joug. Si vous êtes ensemble, nous vous dispersons. Va-t'en. Que chacun prenne sa route. Et tu ne reviens plus. Il n'y aura pas de secours, pas d'association. Va-t'en. Tiens-toi debout, tu poses les mains sur ta tête, tu dis, je reçois la guérison de Jésus. Comme tu as cru au pardon des péchés, crois à ta guérison. Quand Jésus était à la croix, il n'a pas vaincu pour le péché, après il est revenu pour vaincre pour la maladie, après il revient pour vaincre les blocages. Il est mort, une seule mort a racheté toute l'humanité. Alléluia. Par une seule offrande. C'est par l'offrande de son corps que tu entres dans ton héritage. Dis, mon âme crois en Dieu et ne doute point. Et parle à ton corps. Dis, mon corps reçois la guérison. Pose la main là où tu es malade. Si tu veux, tu regardes sur la tête. Guérison. Pénètre dans chaque corps. Esprit de guérison. Esprit de guérison. Pénètre dans chaque corps. Et que la guérison habite en chacun. Que la guérison habite en chacun. Que la guérison demeure avec toi. Qu'elle t'accompagne. Qu'elle demeure avec toi. Qu'elle demeure dans ton corps. Qu'elle demeure dans chaque organe de ton corps. Qu'elle demeure dans chaque membre de ton corps. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. La guérison de Dieu, la guérison de Dieu. La guérison de Dieu, la guérison de Dieu. La guérison de Dieu. Maintenant, tu remercies le Seigneur, tu crois que là où tu es là, tu fais des projets. Si tu croyais que tu allais vite mourir, que la vie ne te disait plus grand-chose, quand tu vas rentrer, tu planifies tes actions. Les 5 premières années, les 15 années qui suivent, tu planifies. Et puis tu mets le temps de ta retraite.
Je dis, à tel âge, je prendrai la retraite. Tu planifies la conquête. Tu dis, je veux prêcher ici, je prêche ici, je prêche ici, je prêche ici. Si tu pensais que tu ne veux plus te marier parce que toi tu as le sida, va maintenant prier pour ton mariage. Alléluia. Toi qui n'avais pas d'enfant, tu es béni. Amen. Tu es fertile. Amen. Tu es fécond. Amen. Tu es fécond. Amen. Dis merci Seigneur Jésus. C'est un cadeau, Seigneur. Je ne mérite pas. Je le reçois avec joie et avec foi. Le Seigneur a agi au-delà. On cite quelques maladies, mais il a travaillé profondément. Parce que la sept sœur était guérie en bateau. Il y avait quatre frères seulement dans l'assemblée. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000. Et nos cris sont montés à lui. Et il a entendu. Alléluia. Acclamons pour lui. Jésus-Christ.